She got her PhD at la Université Paris on Panthéon Sorbonne. She's a member of the research group of philosophy, practice, and languages at Université Grenoble-Alpes. She teaches also philosophy at Lycée Berthollet at Annecy, and she's in charge of some courses at Université Grenoble-Alpes. She has published several papers on Plato, including Le Corps Philosophe, Lambert's The Calumny de Phédon, and a revised version of her doctoral thesis was published in November 2015 by Classics Garnier under the title Pour une lecture interactive de Platon, Le Philosophe Ancisi Sablo. The title of her presentation is Qu'est-ce qui dans la question de l'anonyme a pu troubler Socrate? Professeur Rombo. Merci beaucoup. Ma communication s'inscrit dans la lignée des commentaires du Phédon qui suppose que ce dialogue est destiné à faire l'objet d'une lecture active. En fait, je ne vais pas lire l'intégralité du papier que j'ai envoyé pour le colloque parce qu'il est beaucoup trop long pour tenir en 20 minutes. Donc, je vais dégager le fil directeur de ma démonstration. Donc, il y aurait une analogie pour cette question de la lecture active, une analogie entre le rapport que les interlocuteurs de Socrate entretiennent avec Socrate, auquel ils font des objections, que Socrate essaie d'écarter, et le rapport que le lecteur entretient avec le texte du Phédon, auquel ce lecteur oppose des arguments que le texte peut réfuter s'il fait l'objet d'une lecture active. Donc, dans un premier point, je vais poser mon problème de départ, qui en fait correspond à la question de l'anonyme. Cette question qui est posée en 103 à 4, C5. Elle mentionne une incompatibilité entre deux régimes d'opposition. L'anonyme signale une contradiction entre deux propositions opposées, solidaires, l'une du premier argument qui est développé en faveur de l'immortalité de l'âme, l'argument cyclique, et l'autre proposition est solidaire de l'argument final. Première proposition, proposition A, la génération pour les opposés a lieu simplement à partir des opposés. Proposition B, aucun des opposés étant encore ce qu'il était, ne consent à devenir ni à être en même temps l'opposé. Socrate résout la contradiction en invoquant la différence entre les choses possédant les propriétés opposées et ses propriétés éponymes. La chose opposée advient à partir de la chose opposée, l'opposé lui-même ne pourrait jamais devenir son propre opposé, ni l'opposé en nous, ni l'opposé dans la nature. Après avoir donné cette explication, Socrate fait allusion à quelque chose qui, dans ce dont l'anonyme a parlé, aurait pu l'avoir troublé. Mon intention est de proposer une interprétation de cette allusion. La difficulté paraît tenir à la relation entre le premier régime d'opposition, A, applicable aux choses opposées, et le second régime d'opposition, applicable aux opposés. En fait, l'explication donnée par Socrate n'épuise pas la difficulté soulevée par l'anonyme. En effet, les objets respectifs des deux propositions entretiennent une triple relation, une relation d'homonymie, une relation de causalité et une relation de possession, participation, présence ou communauté. La méthode exposée par Socrate à la fin du dialogue, enfin en 100A, 102A, consiste à poser au départ une réalité éponyme et à reconnaître en elle un responsable, une cause ou une explication capable de rendre compte des homonymes qui en participent. La répartition opérée en réponse à l'anonyme ne dit pas comment le principe B, applicable aux opposés, peut, sinon rendre compte du processus par lequel une chose opposée devient une chose opposée, du moins s'accommoder de cette loi A de la génération mutuelle des choses opposées. Les deux arguments, l'argument cyclique et l'argument final, doivent être complétés par quelqu'un qui s'emploierait à agencer ces deux parties de la démonstration du Phédon. Donc le quelqu'un, c'est le lecteur dont la position est ainsi définie. Donc je vais partir de l'argument cyclique. Je vais me concentrer sur la première partie de cet argument dans laquelle Socrate donne une preuve de ce que j'ai appelé le régime d'opposition A, donc celui qui concerne les choses opposées.
Ça va être l'objet de mes points 2 et 3, qui s'appuie également sur l'exposé de la méthode socratique et l'exposé du régime d'opposition B qui introduisent l'argument final. Je laisserai de côté le point 4, qui était destiné à montrer que cet examen de la première partie pouvait être concilié avec un examen de la deuxième partie de l'argument cyclique. Et enfin, je reviendrai sur la relation entre les deux régimes d'opposition afin de proposer une interprétation de l'allusion à quelque chose qui aurait pu troubler Socrate dans la question de l'anonyme. Donc, c'était mon point 5. Point 2, l'invraisemblable vraisemblance de l'argument cyclique. Le problème auquel cet argument répond est posé du point de vue des humains, des anthropoi, qui attendent de Socrate une preuve de l'immortalité, de l'indestructibilité d'une âme qu'ils tiennent en fait pour une chose corporelle, puisqu'ils la croient exposée à une dispersion, comparable à un souffle ou à une fumée. Si Socrate accède à la demande, il s'engage à démontrer quelque chose d'absurde, c'est-à-dire qu'une fois séparé du corps, auquel sous le nom d'âme ceci était mêlé, quelque chose de corporel est encore. Si Socrate refuse, il paraît se dédire, puisqu'il renonce à soutenir qu'une fois séparé du corps, l'âme continue d'exister. C'est pourquoi il compose un argument à deux entrées, à la fois mythe ou tradition et examen rationnel valide. Les deux appellations sont données pour l'argument cyclique. On le voit quand il parle de substituer un raisonnement différent à l'argument cyclique. En fait, argument à deux entrées, ça veut dire qu'une première approche du problème qui fait l'objet d'un examen critique peut être comparée à un mythe. Donc, c'est cet examen qui équivaut à une nouvelle approche du problème et qui entraîne un changement de point de vue, rendant ainsi attentif à cette chose invisible qu'est l'âme. En fait, l'adoption du point de vue de la plupart des humains trahit la difficulté à s'élever au point de vue des philosophes. La distinction entre les sensibles et les réalités intelligibles a été introduite avant l'argument cyclique afin de décrire l'activité du philosophe qui délie le plus possible l'âme de son association avec le corps d'une manière différente des autres humains. Donc ça définit une règle qui prescrit de se séparer le plus possible des yeux, des oreilles et pour ainsi dire de tout le corps qu'il trouble et empêche l'âme d'acquérir la vérité et l'intelligence quand il s'associe. Cette règle s'impose du fait du constat des contradictions des sensibles. C'est ce constat qui fonde la règle, obligeant à rapporter les appellations habituellement rapportées aux sensibles, à les rapporter aux réalités intelligibles. Or, l'argument cyclique ignore ce constat, il ignore la règle qui en découle, puisqu'il suit le style de la méthode de l'enquête sur la nature, donc méthode dont Socrate raconte beaucoup plus tard dans le dialogue, qu'il a renoncé à l'employer pour découvrir pourquoi quelque chose naît, périt ou est. Et ce, par crainte que son âme ne devienne totalement aveugle en regardant vers les choses, prosta pragmata, avec les yeux et en entreprenant de les toucher avec chacune des sensations. En effet, l'argument cyclique utilise le procédé de généralisation à partir d'une série d'exemples qui conduit les commentateurs à qualifier sa méthode de méthode inductive, ce qui apparente encore l'argument cyclique à l'enquête sur la nature. Et les commentateurs qui invoquent des contre-exemples empiriques pour réfuter l'argument cyclique s'appuient également sur la méthode que cet argument paraît emprunter. À partir du moment où on fait cette critique de l'argument cyclique, on peut avoir une autre lecture de la loi de la génération mutuelle des opposés. Cette loi apparaît comme une tentative de conciliation entre le constat des contradictions des sensibles et l'incapacité à quitter le point de vue des humains, c'est-à-dire à appliquer la règle qui consiste à ne pas emporter les sensations avec le raisonnement, mais à utiliser la pensée sans mélange. En fait, du point de vue des humains, les contradictions des sensibles prennent l'apparence d'une génération mutuelle des opposés. Donc la loi de la génération mutuelle des opposés offre une présentation cohérente des contradictions des sensibles à des humains qui sont quand même suffisamment sensibles à ces contradictions pour avoir envie de les résoudre, mais qui ne sont pas suffisamment sensibles à ces contradictions pour se tourner vers les intelligibles. Manifeste l'importance du principe de contradiction. La loi, elle ab-
absorbe l'incompatibilité entre les confusions constatées empiriquement et ce principe de contradiction qui correspond en fait au régime d'opposition B, celui qui est valable pour les opposés eux-mêmes. Donc en fait, cette loi de génération mutuelle des opposés rejoint ce qu'on a appelé parfois l'argument des opposés, qu'on trouve par exemple en République 5 ou République 7, et la finalité de cet argument des opposés est de poser la distinction entre les sensibles et les réalités intelligibles. Cet argument marque le passage du point de vue des humains à celui des philosophes et conduit à qualifier de génération ce qui était auparavant tenu pour la réalité. Donc le terme génération est en fait un terme qui se substitue au terme de réalité, génération c'est genesis, réalité ousia, qui se substitue au terme de réalité pour dire que ce qui est qualifié de génération n'est pas la réalité. Or, comme dans l'argument cyclique, il arrive souvent que le vocabulaire du devenir fasse oublier l'incompatibilité entre le constat empirique et le principe de contradiction que ce vocabulaire était censé signaler au départ. La génération, d'abord opposée à la réalité, paraît ensuite avoir une réalité. Donc en fait, ce que l'examen conduit à faire, c'est à mettre en doute la possibilité pour le régime d'opposition A, la génération mutuelle des choses opposées, de se maintenir face au régime d'opposition B, qui correspond en fait au principe de contradiction. Cette hypothèse trouve un appui dans l'exposé de la méthode socratique, puisque l'espèce socratique de cause seule rend compte de l'attribution des propriétés éponymes à leurs homonymes sensibles. Par exemple, cette attribution est indiquée dans la proposition « Tu déclarais que tu ne sais pas comment chacun devient, si ce n'est en participant à la réalité particulière à laquelle chacun participe ». Donc on ne songe plus du tout ici à une loi de génération mutuelle. Cette loi se dissipe comme une apparence, elle s'efface devant l'application du principe de contradiction ou régime d'opposition B. Alors, mon troisième point porte sur les choses elles-mêmes et leurs homonymes. Ce que je voulais montrer, c'est que la réalité même des choses mentionnées dans l'argument cyclique fait problème. En effet, les pragmata ne s'imposent que comme condition de la description du processus de génération. Cette description requiert un repère permanent auquel ce processus puisse être affecté. Donc les choses sont à la fois identiques comme repère permanent et non identiques puisqu'elles sont sujettes à la génération. Cette tension est inscrite dans le texte puisque les choses participent et de la génération et de la réalité. Donc là, on pourrait dire que la substitution de Heinei à Gignestai n'est qu'un abus de langage, mais en même temps, les choses paraissent parfois indissociables, parfois dissociables des propriétés qu'elles exemplifient. La loi de la génération mutuelle ne dit pas si la chose reste la même en recevant des propriétés opposées ou si le processus lui fait perdre son identité. C'est un point qui est souvent remarqué par les commentateurs. La fonction de repère permanent assignée aux choses dans la description de la génération, cette fonction parfois alléguée pour prouver la réalité des choses, se retourne au contraire contre la notion de génération, dont elle souligne les limites ou les contradictions. En fait, cette idée de génération se dissipe lors de l'exposé du principe B, du principe de contradiction, qui est donné au début de l'argument final, puisque la distinction entre les choses opposées et les opposés, que ce principe admet pleinement, ne rend compte du principe du processus de génération qu'en posant une absence de génération effective. La chose qui reçoit tour à tour les propriétés opposées est neutre, au sens que les commentateurs de l'argument cyclique donnent à ce terme quand ils l'utilisent pour désigner un état intermédiaire entre les deux opposés. Donc la loi de la génération mutuelle est bien une description de ce qui apparaît au point de vue des humains, incapables de se séparer le plus possible du corps et des sensations. Le principe de contradiction déjoue la vraisemblance de l'opinion, qui devient alors comparable à un mythe, que les humains se font du régime d'opposition A, donc cette loi de génération mutuelle des opposés. En fait, on croit parler de choses que l'on croit pouvoir examiner par le corps et les sensations, mais l'examen de ces choses par le corps et les sensations fait obstacle à la contemplation des choses mêmes. On trouve l'expression « otapta pragmata » en 66 E1. Donc en fait, l'une des conséquences, c'est qu'on doit élargir l'effet d'homonymie aux choses, aux pragmata.
Ce que j'entends par effet d'homonymie, c'est quelque chose qui est expliqué dans la réponse à l'anonyme en 103bc, puisque la réponse de Socrate restitue aux propriétés les appellations utilisées par l'argument cyclique pour nommer les choses possédant ces propriétés. Voilà comment je comprends cette notion d'homonymie, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'appeler beau une chose, un beau, on va dire, et en fait, on se rend compte que cette chose que l'on a perçue par l'intermédiaire des sens ne mérite pas cette appellation et que cette appellation doit être rapportée à autre chose, à une réalité intelligible. Le problème que pose l'emploi des noms des propriétés affecte aussi l'emploi des appellations comme chose, humain ou animal, qui, à côté des adjectifs substantivés, comme beau ou égaux au pluriel, qualifient encore les choses possédant les propriétés désignées par ces adjectifs. En fait, l'emploi des mots chose, humain, animal substitue aux référents adéquats de ces appellations les homonymes qui l'engendrent. Les homonymes gardent une apparence de réalité tant que l'homonymie n'est pas repérée. Repérer une homonymie, c'est vider une appellation de son contenu supposé pour rapporter cette appellation à la réalité qui est son référent. Le fait que les choses ne soient pas ordinairement rangées au nombre de tous ceux pour lesquels il y a un opposé contribue à masquer l'homonymie. Mais en réalité, on s'aperçoit, par exemple, que le mot « nature », dans les contextes rapprochés par l'anonyme, est utilisé en des sens divergents, voire opposés, puisque le régime d'opposition A de la nature homonyme, objet de la méthode des physiologues, contraste avec le régime d'opposition B de la nature éponyme, objet de la méthode socratique. Donc je passe sur mon point 4, hein, qui tendait à montrer que dans l'argument cyclique, il y avait un effet d'homonymie quant à la notion d'humain, hein, c'est-à-dire que l'humain est confondu avec son corps, et quand on dissipe cette confusion, on peut rapporter l'humain à l'âme. Donc je passe sur mon dernier point, les opposés eux-mêmes et leurs homonymes. La compatibilité entre les deux régimes d'opposition tient à ce que le premier a, la génération mutuelle des opposés, une fois rapportée aux opposés homonymes, reconduit au second régime d'opposition, le régime d'opposition B, le principe de contradiction qui fixe le rapport entre les opposés eux-mêmes. Cette première conclusion n'identifie pourtant pas le point qui, dans la question de l'anonyme, aurait pu troubler Socrate. En fait, Socrate ne peut pas vraiment être troublé par le fait que le visible se dissipe comme une ombre. Le contexte de l'allusion invite plutôt à étendre l'analyse de l'homonymie rendue responsable de la contradiction relevée par l'anonyme aux emplois du mot opposé lui-même. Dans l'argument cyclique, la notion d'opposé ne paraît pas admettre une définition homogène, capable de s'ajuster aux exemples d'opposés constitués par les couples d'adjectifs positif, comme beau et laid, juste et injuste, et les couples de comparatifs, comme plus grand et plus petit, plus fort et plus faible, plus lent et plus rapide, meilleur et pire. Dans l'argument final, certains emplois de opposés soulèvent des difficultés similaires. L'indétermination du sens de Enantios est souvent objectée à Platon ou à ses personnages par les commentateurs qui en viennent à se demander « mais que signifie le mot Enantios ?» En fait, l'examen montre que cette question est tout à fait bien fondée. Les études qui entreprennent de répondre à cette question se transforment souvent en revue des difficultés accrues par le recours au comparatif donc, et au verbe « devenir ». Cela invite à transposer à l'opposé lui-même ce qui vaut pour les autres réalités. On trouve dans le contexte du dialogue avec l'anonyme l'expression « auto-to-enantion ». Cette transposition appelle quelques éclaircissements que je vais donner rapidement. L'incapacité des sensibles à exemplifier correctement les réalités fait objection à la possibilité de rapporter aux sensibles les appellations propres aux réalités, comme je l'expliquais, mais aussi de leur attribuer ces appellations à titre de propriété. En fait, c'est le commentateur qui emploie le mot de propriété des sensibles, mais ça ne correspond à aucun mot grec.
puisqu'en fait, ce qu'on découvre quand on commence à rapporter les propriétés aux intelligibles, c'est que les sensibles n'exemplifient pas correctement ces soi-disant propriétés qu'ils ne possèdent donc pas véritablement. Si les sensibles peuvent tout de même tourner l'attention vers les intelligibles, comme le montre l'argument de la réminiscence, c'est que il y a une condition posée à l'usage du corps et des sensations, c'est de soumettre cet usage à un examen vigilant et assidu, comparable à une purification. Donc c'est parce que les sensibles font l'objet de la purification qu'ils peuvent tourner l'attention vers les intelligibles. La connaissance des réalités repose sur le repérage des imperfections contenues dans les perceptions que les humains croient avoir de ces réalités, auxquelles se rapporte alors l'entretien dialectique. Donc l'indétermination du sens de opposé conduit à penser que ce mot ne fait pas problème. Le problème de sa définition n'est pas résolu par l'énumération d'exemples d'opposés. Les exemples ne permettent pas de dégager une définition homogène et invitent plutôt à faire de cette notion l'objet d'un questionnement dialectique. Or, cette indétermination du sens de opposé affecte la méthode socratique davantage que l'indétermination de mots comme beau, juste ou égal, puisqu'elle compromet l'application du principe de contradiction qui fonde l'obligation de rapporter aux réalités intelligibles les appellations auxquelles les sensibles se montrent incapables, une fois leur contradiction révélée par ce principe, de procurer un contenu satisfaisant. La possibilité de distinguer entre les opposés homonymes et l'opposé éponyme, référent adéquat de cette appellation, entre en tension avec la règle prescrivant de se séparer le plus possible du corps et des sensations afin de se lancer à la poursuite des étangs. Cette règle, qui repose sur la mise en évidence de rapports d'opposition, invite elle-même à vérifier la réalité de ces rapports. La règle oblige à revenir sur les applications qui en sont faites. Les rapports d'opposition mis en évidence pourraient refléter la méconnaissance du sens de opposé que ces rapports d'opposition sont chargés d'exemplifier. Donc en fait, la définition de la notion d'opposé n'est pas indépendante du principe de contradiction ou régime d'opposition B, car ce principe qui fixe le rapport entre les opposés les définit par ce rapport. La mise en évidence d'un rapport d'opposition prend appui sur la perception d'une génération mutuelle des opposés que l'application du principe de contradiction invalide en lui substituant le modèle d'une participation à des opposés irréductibles. En fait, le principe de contradiction s'impose négativement contre le régime d'opposition A, le régime de la génération mutuelle des opposés. Et donc, le régime d'opposition B se fonde sur une notion préalable de l'opposé qu'il ne peut tirer de nulle part ailleurs que des oppositions décrites par le régime d'opposition A, qui est l'opposé même du régime d'opposition B. L'interruption de l'anonyme, qui ravive et dissipe la confusion entre les opposés homonymes et les opposés éponymes, porte cette difficulté à l'attention de Socrate. Et on peut dire que cette difficulté a de quoi troubler même un Socrate, surtout un Socrate, plus disposé qu'un Cébès à s'en aviser et à en mesurer la portée. Le second régime d'opposition, qui rappelle la distinction entre les opposés homonymes et le référent adéquat du mot opposé, repose sur l'emploi indifférencié de ce mot opposé qu'implique le premier régime d'opposition A. Cette difficulté obère l'ensemble de la démonstration du Phédon, à laquelle la qualification de mythe peut alors être étendue, comme elle l'est dans le dialogue, moins pour invalider cette démonstration que pour en exiger l'examen. Donc je termine sur ce point. L'analyse de la difficulté met en lumière la fonction de l'âme et réaffirme la fonction du lecteur actif. L'exposé du principe B utilise des verbes qui supposent que les opposés personnifiés entretiennent avec leurs opposés une relation que ces verbes décrivent, certes comme un rapport d'opposition, mais dont ils soulignent le caractère paradoxal. Le rapport d'opposition fait fond sur l'épreuve d'une rencontre contre laquelle le principe de contradiction, le principe B, se dresse en la rendant impossible. L'application que les opposés mettent à s'éviter suppose qu'ils se réfèrent eux-mêmes au principe de contradiction qui dirige leur comportement. La condition pour que les opposés puissent eux-mêmes se démarquer les uns des autres et qu'ils se comparent les uns aux autres, la garantie de l'impossibilité d'une rencontre implique un point de rencontre.
Donc, en fait, c'est ce qui charge l'argument cyclique d'une signification nouvelle. Hein, c'est qu'il décrit cette activité de l'âme qui compare les opposés et qui les sépare par l'interposition d'un double processus de génération. Donc, on peut dire que les deux régimes d'opposition A et B entretiennent dans le Phédon, je termine, une relation diachronique d'engendrement mutuel et une relation synchronique d'opposition suivant le principe A et le principe B. L'accomplissement par le lecteur actif des opérations ambivalentes qui lui sont prescrites conditionne la possibilité de conserver sa puissance et sa pensée à l'âme de Socrate. C'est parce que tel Socrate, il se croit privé du bien et de ce qui est exigé que ce lecteur, par son activité, entreprend à l'échelle du Phédon de lier et de tenir ensemble ce qui, sans cela, serait menacé de dispersion et de destruction. Merci. Okay, we have another 9 minutes and 22 seconds for questions and comments. Oui, alors, quelle est la différence entre le pragma qui possède les oppositions cycliques et les objets comme le feu et la neige et le fièvre qui possèdent les contraires dans le régime d'opposition B? Quelle est la différence entre ces deux objets qui possède d'une certaine façon là, une opposition? Je ne crois pas pouvoir répondre à cette question, donner une réponse définitive. Ce qu'on peut dire, c'est que justement, la mention de ces objets comme le feu ou la neige vient montrer qu'il n'y a pas de génération encyclique. Donc déjà, ça attire l'attention sur les limites de la loi de la génération mutuelle, puisqu'on peut trouver des choses pour lesquelles certaines propriétés sont des propriétés, comme les commentateurs distinguent entre des propriétés essentielles et des propriétés accidentelles. Donc je dirais plutôt que ce rapprochement cautionne une critique de l'argument cyclique. Maintenant, je ne peux pas apporter une réponse à une question difficile comme celle que vous posez. Alors, c'est est-ce que l'argument à propos de la neige et le fièvre, c'est complètement idéal? C'est des objets naturels qu'on connaît à travers l'expérience, mais est-ce que quand on les discute dans le dernier argument, est-ce que c'est plus un argument empirique, mais conceptuel? En fait, mon type de lecture ne peut pas répondre à un « c'est deux points ». C'est comme ça. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et c'est-à-dire que le feu, la neige, c'est d'abord les appellations pour nous de choses empiriques. Mais effectivement, en lisant cet argument, on pourrait être amené à rapporter ces appellations à d'autres choses que des objets simplement empiriques, ce que vous avez qualifié d'objets idéaux, par exemple. Voilà, c'est juste une hypothèse. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est une question qui est assez proche, mais en un autre sens. Dans ta conclusion, tu insistes sur éventuellement la nouvelle fonction que l'âme pourrait avoir lorsqu'elle, l'âme du lecteur, on va dire, se saisit justement de ce trouble argumentatif. Ma question est assez simple. Est-ce que néanmoins, ça mettrait en danger le dernier argument? Parce que cette fois, on ne parlerait pas d'une âme, si tu veux, comme forme, avec un ensemble de propriétés éventuellement opposées, mais effectivement d'une âme en mouvement, qui, par l'intermédiaire de l'anonyme, se ressaisit de son propre mouvement. Et du coup, effectivement, ça cadre bizarrement avec le dernier argument.
Alors peut-être que c'est une des conséquences de ta lecture. Est-ce que finalement, ce dernier argument, tu penses qu'il doit absolument être lu à la lumière de l'objection de l'anonyme ? Oui, il me semble effectivement que ce que montre l'objection de l'anonyme, c'est qu'on n'en finit pas non plus avec les sensibles. On ne peut jamais s'en affranchir totalement, puisque c'est à partir de ces oppositions constatées dans les sensibles que l'on va avoir une certaine idée du principe de contradiction, de ce que j'ai appelé le régime d'opposition B. Et donc cette dépendance du régime d'opposition B à l'égard d'oppositions qu'il tend à disqualifier, finalement, peut affecter l'ensemble de l'argument final. Bon, pour continuer de répondre à ta question, il faut bien qu'il y ait une âme, c'est là la limite du principe de contradiction, qu'il y ait une âme qui tienne ensemble les deux principes, les deux opposés, dont elle dit qu'ils ne doivent pas être confondus. No more questions? Okay, thank you so much. There's no questions. Okay, our next speaker is Professor Lidia Palumbo. She teaches history of ancient philosophy at the University of Naples, Federico II in Italy. She is a member of the Mediterranean section of the International Plato Society, president of the Napolitan Gian Battista Bico section of the Italian Philosophical Society, and co-director, along with Professor Giovanni Casartano, of the philosophical studies series Philosophiae Skepsis. She has participated both in national and international conferences, publishing mainly on the Presocratics and Plato. Among her most recent and significant works, two titles deserve to be mentioned: Verba Manens, su Platone e il Linguaggio, published in Napoli in 2014, and Mimesis, Rappresentazione, Teatro e Mondo nei Dialoghi di Platone e nella Poetica di Aristotele. The title of her conference is Filosofia e Narrazione, il caso del Fedone. Grazie. Alcuni tra i dialoghi di Platone sono narrati ed altri dialoghi sono direttamente drammatizzati. Tra i dialoghi narrati, alcuni sono narrati da Socrate e altri da altri personaggi. Alcuni sono direttamente narrati, altri hanno un'introduzione drammatica, ma in tutti i casi, tutti i dialoghi presentano una narrazione di quelle che consentono all'ascoltatore di vedere la scena narrata, come se fosse direttamente rappresentata. E l'aspetto più interessante di questa circostanza è che in questi casi noi lettori sperimentiamo allo stesso modo degli ascoltatori della narrazione la visualizzazione della scena. Questa capacità di usare le parole per far vedere era un'arte molto studiata dagli antichi teorici della scienza del linguaggio. E Platone, non a caso citato in questo senso dalle antiche fonti, si rivela maestro di quest'arte e di quest'arte applicata alla filosofia. Essa può essere identificata come capacità mimetica, capacità di creare immagini usando soltanto parole, parole creatrici di scene. Se ogni poeta è capace di farlo, Platone poeta è capace di un effetto in più. Crea scene mimetiche in cui ciò che viene rappresentato è una pratica filosofica, una discussione che tematizza la mimesis stessa, i suoi limiti e le sue possibilità. L'arte mimetica della narrazione visiva poggia su una caratteristica specifica del testo platonico, che qualche volta viene chiamata unità di forma e contenuto. Nella mia comunicazione proverò a fare riferimento ad alcuni tratti di questa caratteristica della scrittura platonica, narrativa e drammatica, in riferimento al Fedone. Prima di fare riferimento ai passi del Fedone, però,
intendo aggiungere una specificazione. La specificazione riguarda il fine che sembra avere Platone, Platone autore e narratore, con la realizzazione di una scrittura dotata di tale visività verbale. Io credo che il fine sia quello di far sì che il lettore possa, per così dire, abitare il testo e, nel caso del Fedone, partecipare alla discussione filosofica che si tiene nella cella di Socrate nel giorno della sua morte. La ragione per la quale Platone intende far sì che il lettore abiti il testo del dialogo e partecipi alla discussione, secondo me, è l'idea stessa di filosofia che egli ebbe e praticò al suo tempo. Secondo Platone, infatti, la filosofia non è una pratica di lettura o di scrittura, ma è strutturalmente legata all'oralità dialogica. Solo partecipando ad una discussione si fa filosofia. E la filosofia la si può soltanto fare, cioè praticare ed esperire in prima persona. Non la si può leggere o scrivere, né la si può ascoltare passivamente in un racconto. Ed ecco che la scrittura visiva dei dialoghi, che mettono in scena una pratica filosofica dialogica o il racconto di essa, un racconto dotato di visività scenica, ci consente la partecipazione alla discussione. Il tipo di partecipazione alla discussione che può esperire un lettore dei dialoghi è dello stesso tipo di quella che sperimentano nei dialoghi gli ascoltatori dei racconti. Essi sono rapiti dal racconto e provano nell'ascoltare la stessa emozione che stanno provando i protagonisti della storia di cui si parla. E si pongono le domande e si danno le risposte allo stesso modo dei protagonisti della storia di cui si parla. Possiamo allora annotare anche questo come un effetto prodotto dalla scrittura visiva dei dialoghi, cioè un'assimilazione degli ascoltatori dei racconti ai protagonisti della storia narrata e, in analogia ad essa, un'assimilazione di noi lettori agli ascoltatori dei racconti in scena nei dialoghi. A mio avviso è precisamente questa assimilazione dell'ascoltatore e del lettore all'interlocutore di Socrate nel dialogo il vero fine della scrittura visiva del testo, ciò che fa di esso un dialogo mimetico, un mezzo per realizzare quel coinvolgimento nella discussione, quella partecipazione, quella presenza del lettore alla discussione narrata, senza delle quali non c'è pratica filosofica. I dialoghi platonici si configurano dunque come testi protrettici. Il loro fine è un fine pratico e consiste nel portare i filosofi potenziali alla filosofia. È come se Platone, con i dialoghi, facesse come Socrate nei dialoghi, cioè invitare con levità, mediatamente ma decisamente, alla filosofia. Platone, maestro, autore e scrittore, pone in essere un'operazione di composizione del testo in cui è possibile isolare elementi di scrittura drammatica che sono operatori di visività. Essi allestiscono la scena in cui siamo invitati ad entrare per ascoltare e partecipare. Ciò che i dialoghi raccontano è un altro tempo, l'unico degno di essere raccontato, quello in cui ancora non si è consumata l'ingiusta morte del giusto. In questa prospettiva, allora, la scena della morte di Socrate, la scena del Fedone, è l'ultima scena di un tempo felice, avvolto dal racconto nella nostalgia, il tempo in cui, filosoficamente strutturate, le discussioni avevano luogo, ma è anche la prima scena di un tempo altro, quello in cui comincia di quelle discussioni il racconto e si allestisce la loro rappresentazione nei dialoghi. Nella prima scena del testo del Fedone, Fedone ed Echecrate sono affliunte, uno chiede all'altro il racconto, l'altro promette di farlo ed aggiunge l'immenso piacere che prova nel farlo. E poi, prima di cominciare il racconto, riferisce dello stato d'animo che abitava i personaggi del racconto stesso. Il fatto che la descrizione dei sentimenti del narratore e dei personaggi preceda l'inizio del racconto stesso ci fa comprendere come tale descrizione sia un po' come una nota di regia,
qualcosa che deve aiutarci a comprendere il racconto, o forse ancora di più deve aiutarci ad assumere lo stato d'animo richiesto affinché l'operazione di assimilazione mimetica si realizzi. Nella scena seconda dell'atto primo comincia il racconto. Gli amici di Socrate si erano radunati fuori del carcere, come erano soliti fare anche nei giorni precedenti. Andavano infatti dal maestro in carcere ogni giorno, al mattino, e passavano l'intera giornata con lui. Quel giorno appresero subito che sarebbe stato il giorno della morte. Appena entrati nel carcere, incontrarono Santippe, la moglie di Socrate, che probabilmente aveva passato con lui la notte, che disse loro: «È l'ultima volta che i tuoi amici possono parlare con te e tu con loro». Questa frase di Santippe ha nel testo la funzione di una soglia, perché separa l'introduzione al racconto filosofico dal racconto filosofico stesso. Per l'unità tra forma e contenuto che caratterizza i dialoghi di Platone, questa introduzione al racconto è per così dire spazializzata. Diventa un percorso, una sorta di strada, disegnata dal racconto dei tempi e dei luoghi, che consente al lettore di entrare accompagnando i personaggi. Prima essi aspettano fuori e noi con loro, e poi tutti insieme, discepoli e lettori, lì dove il testo dice: «Il custode ci chiamò e ci disse di entrare». Allora tutti entriamo nel carcere. Nella prima scena in cui compare Socrate, lui è seduto, gli hanno appena tolto la catena e lui, massaggiandosi la gamba, dice qualcosa. È necessario annotare che il racconto che Fedone sta facendo dell'ultimo giorno della vita di Socrate, racconto degno di essere ricordato, si appoggia sul dettaglio di quei particolari che consentono di visualizzare la scena e quindi di ricordarla. Sapremo poi che cosa dice Socrate massaggiandosi la gamba, ma è importante avere notato che l'indicazione della postura, allo stesso modo delle indicazioni di tempo e di luogo relative all'appuntamento che gli allievi di Socrate si erano dati, ci consente di vedere la scena e partecipare all'evento raccontato. Più tardi, insieme ad Eveno, ogni lettore sarà invitato a seguire Socrate, a partecipare alla filosofia, che è una pratica e che si può condividere solo partecipando. Metestin, in 61. È qui che fa la prima comparsa l'idea della filosofia come melete thanatu, esercizio di morte, una concezione che tanta parte avrà nella fortuna del Fedone nella storia della filosofia. E a segnare l'importanza di questa prima affermazione si trova la nota drammatica che riferisce della postura di Socrate. Cito: «E dicendo queste cose abbassò le gambe fino a toccare a terra con i piedi e in questa posizione continuò la discussione». 61c. Fine della citazione. Non c'è alcuna ragione per la quale un'annotazione del genere debba essere inserita nel racconto, se non quella di consentire a chi ascolta e dunque a chi legge di vedere la scena. In 62b Socrate dice che noi uomini stiamo come in un posto di guardia e che non è lecito abbandonarlo e andarcene di nostra iniziativa. Frura, in 62b, è la condizione di chi fa la sentinella e vigila. La vita qui è assimilata ad un turno di sorveglianza, il che sembra sottolineare della vita due aspetti: la transitorietà, il turno dura un certo tempo e poi finisce, e anche il legame con l'attività del vedere, vedere e vivere e vedere e pensare. Ma la riflessione più interessante che possiamo fare in relazione all'affermazione di 62b riguarda il potere visivo di Osper. Quando Socrate dice che noi siamo come in un posto di guardia, ciò che accade grazie all'Osper, operatore di visività, è l'allestimento di una scena. L'ascoltatore e il lettore vedono, ciascuno nella propria anima, con gli oculi mentis, un'immagine mimetica che assimila la condizione dell'esistere a quella dell'aspettare e del guardare,
scrutando il cielo e le costellazioni, come nella prima scena dell'Agamennone di Eschilo, dove chi parla chiede agli dèi di essere liberato dall'obbligo di una frurà che dura da tempo. Socrate dovrà spiegare il motivo per il quale dobbiamo augurarci che il nostro turno di guardia finisca presto e dovrà prodursi in una difesa convincente da pronunciarsi davanti agli amici. E questa difesa, questa apologia, in 63 di, sarà un bene comune, sarà la condivisione della speranza che dopo la morte vi sia qualcosa di meglio per i buoni che per i cattivi. Meglio per i buoni che per i cattivi. Che la discussione di questa speranza sia un bene da condividere, metadidomi, è la chiave di lettura del Fedone. Socrate ha parlato, Fedone ha raccontato, Platone ha scritto affinché anche noi potessimo partecipare di questa speranza e condividere questo bene comune. Nell'insieme degli operatori di scrittura visiva che rendono il testo del Fedone luogo scenico, atto ad esperire tale condivisione, io ho scelto di evidenziare in questa sede soltanto il ruolo di Osper. Presente in oltre 70 occorrenze, Osper determina con la sua potenzialità scenica una serie di immagini che consentono al lettore e all'ascoltatore di vedere ciò di cui si parla. La prima occorrenza è in 60b, dove del dolore e del piacere Socrate dice, ed è la prima cosa che dice, che quando si afferra uno dei due si è costretti ad afferrare anche l'altro, come se fossero attaccati ad una sola testa. Osper ec mias coriufes e meno. A riprova del valore visivo creatore di questo Osper, Socrate cita Esopo che se ci avesse pensato ne avrebbe fatto una favola. Subito dopo, Osper serve a collegare quanto si è detto in generale sul dolore e sul piacere con quanto sta accadendo a Socrate. Osper un kai automoi eoiken, come pare stia capitando a me. Dopo il dolore della catena, ecco il piacere della liberazione. In 61a, nel contesto della spiegazione di un sogno ricorrente, Socrate dice di avere sempre creduto che, esortandolo a eseguire e a comporre musica, il sogno lo esortasse a fare ciò che egli già di fatto stava facendo, e cioè la filosofia. Os philosophias men uses megistes musices, essendo la filosofia la forma più alta di musica. Ora, per rendere visivamente questa opzione ermeneutica applicata al sogno, per la quale qualcuno può esortare qualcun altro a compiere qualcosa che però costui sta già facendo, Socrate sceglie di far visualizzare ai suoi lettori il caso di coloro che incitano i corridori, Osper oitois teusi diacheleo omenoi. Esso infatti, in una società agonale, nella quale l'agone ginnico della corsa era forse il più diffuso, risulta essere il caso letteralmente più evidente, cioè più rappresentativo della situazione che richiede di essere visualizzata. E quando a Simmia e Cebete, che lo accusano di volerli abbandonare e di farlo senza dolore, Socrate dice «Credo che stiate dicendo che mi devo difendere come in un tribunale, Osper en di Casterio», al nostro Osper è affidato il compito dell'allestimento della scena. Questa nuova difesa, che il Fedone mette in scena dopo quella dell'Apologia, nella quale Socrate renderà conto della sua vita, avverrà come in un tribunale. Quando qualcosa viene paragonato a qualcos'altro, questo qualcos'altro entra a far parte della scena e si aggiunge al primo termine del paragone con tutti gli orpelli visivi della propria semantica. In 79c si dice che l'anima si serve del corpo per esaminare qualcosa ed è come trascinata verso ciò che muta, va errando, come se fosse ubriaca, Osper metusa. È impossibile non notare la potenza visiva dell'anima ebra e barcollante. E poi ancora si paragona l'anima che lascia il corpo a un vento, a un fumo, Osper pneuma e capnos. Il paragone omerico, Empedocleo, e prepara il lettore a un cambiamento di registro. Dopo il Fedone, infatti, l'anima non sarà più pensata come un vento o un fumo, ma come la sede del pensiero che si stacca dal corpo. In 67 si parla di preparare il pensiero alla separazione dal corpo come di una purificazione, Osper che catarmene,
Si parla dell'anima che si concentra in se stessa come di un'anima che ha sciolto i legami dal corpo. E qui la valenza è rituale iniziatica e non mancano anche dei paragoni di ordine economico-finanziario, come tutti ricordiamo, ospernomismata. Ci sono visualizzazioni di tipo iconico e talvolta invece questo paragone si configura come operazione euristica destinata a far emergere i legami analogici che esistono tra le coppie di contrari. C'è un contrario del vivere come il dormire, il contrario dell'essere sveglio, osperto, eccetera. Talvolta osper serve a rappresentare visivamente un rapporto proporzionale, dove Scebete dice che sembra essere stata dimostrata come la metà di quel che bisognava, osper, emius, eccetera. Il caso più interessante, dico questo e chiudo, tra tutti gli usi di osper nel testo del Fedone, è quello che, sull'espressione osper reikos, costruisce non un paragone verosimile, ma la verosimiglianza stessa di un'ipotesi ardita, quella secondo la quale, dopo la morte, le anime possono legare se stesse a quei corpi e a quei caratteri che durante la vita furono l'oggetto delle loro cure. In questo modo il testo platonico sortisce il suo scopo in due tempi. In un primo momento, infatti, esso rafforza potentemente l'elemento della omoiotes, facendo slittare sapientemente la semantica della somiglianza verso la semantica dell'assimilazione, la quale, si dice, accomuna l'anima al corpo, l'amante all'amato e l'uomo al suo destino. In un secondo momento, poi, proprio basandosi sul potere appena mostrato della somiglianza operativa che diviene assimilazione e che crea proseliti, il testo platonico sortisce il suo secondo e più importante scopo, che è quello di assimilare a se stesso e ai suoi caratteri i caratteri dell'anima del lettore. Testo protrettico e parenetico, il testo di Platone è in grado di creare somiglianze e verosimiglianze, seduce il lettore e lo assimila a sé, lo invita a entrare in un testo che inaugura uno stile di pensiero e un modo di vita. Il ruolo che Osper esercita nel testo non è quello di mostrare somiglianze già esistenti, già riconosciute, ma al contrario, di creare ardite assimilazioni inedite, alle quali è affidato il compito di rovesciare i valori costituiti. Ogni piacere e ogni dolore, come se fosse un chiodo, inchioda l'anima al corpo, assoggettandola e rendendola somatoide. Quando esce dal corpo, l'anima somatoide entra subito in un altro corpo, come se fosse stata seminata. Osper, speromene, è un festa. Io mi fermo qui perché il tempo. Grazie. Grazie Lidia per questa tua bella presentazione. Io ho una questione da porti. E sono d'accordo naturalmente sulla funzione, diciamo sull'elemento teatrale, no? Sulla presentificazione, hai ragione su tutta la linea. Dunque, all'inizio e alla fine della tua relazione tu hai sottolineato la funzione protrettica e parenetica dei dialoghi. Come tu sai, certamente, è questo il titolo di un famoso libro, anzi una dissertazione di dottorato del 59, del grande Konrad Geiser, Protreticum Parenese by Platon. Ora, la questione è la seguente, io sono d'accordo con te su tutta, vedo che sorridi, quindi hai già capito dove voglio arrivare, sono d'accordo con te su tutta la linea, quando tu inviti a interpretare in termini protrettici i dialoghi, assolutamente. Tu sai bene però che se i dialoghi hanno una funzione protrettica, allora la filosofia o il nucleo forte della filosofia ha, come dire, una collocazione almeno in parte extradialogica. Così l'interpretazione di Geiser, io credo in larga parte corretta. Lasciando perdere proprio dal punto di vista strutturale, ecco, volevo chiederti di dirci qualcosa su questo punto, perché io non credo che tu possa arrivare a tanto, però
nel momento in cui interpreti in termini protrettici i dialoghi, vai in una direzione interessante dal mio punto di vista. Io ti ringrazio di questa domanda, Franco. Io credo che c'è un nucleo della filosofia platonica extradialogica, lo credo. Lo credo in questi termini, se è possibile, diciamo, è una grossa questione, provo a dire qualcosa per riassumere il mio punto di vista. Il mio punto di vista è che il Fedone non tratta dell'immortalità dell'anima, la Repubblica non tratta della vera città, ma trattano rispettivamente il Fedone dei modi con i quali è possibile allestire una discussione sull'immortalità dell'anima, il Fedone, e la Repubblica, come dire, mette in scena i modi grazie ai quali è possibile discutere della città giusta, della giustizia. A mio avviso i dialoghi in questo senso sono protrettici e parenetici, cioè provano a mostrare come si può discutere, un modo di discutere, ma non bisogna, a mio avviso, prendere ciò che è scritto nei dialoghi come se fosse un nocciolo dottrinario assolutizzabile. E questa è la ragione per la quale argomenti simili vengono trattati in modi diversi, in contesti diversi. A mio avviso bisogna imparare a filosofare grazie ai dialoghi. Perciò mi permettevo di dire che Platone, come dire, invita il lettore nel testo, perché visualizzando la scena possiamo partecipare alla discussione, possiamo dire anche la nostra. In questo modo, diciamo, dicendo anche la nostra, è come se il dialogo diventasse, quindi affrontasse il suo futuro, no? E permettesse anche un'altra versione dei fatti, che non è, e in questo senso è ancora più fedele a Platone chi in un certo senso lo critica, no? Perché continua questo discorso che è cominciato nello stesso modo in cui è cominciato, con lo stesso amore per la ricerca della verità, con un discorso aperto, interlocutori che si confrontano, dottrine che passano al vaglio della discussione. Ecco, mi fermerei qui per... Sì. Eccomi qua, grazie, un testo veramente ispirante. Una domanda in merito alla prima parte del tuo intervento, quando parlavi dell'assimilazione del lettore agli interlocutori. Ecco, io sono d'accordo con te che questo accada nel Fedone, specialmente come assimilazione, come amici di Socrate. Ma credo che questo accada, e su questo seguo Kahn, ad esempio, perché Platone ci ha fatto affezionare a Socrate. Perché nei primi dialoghi l'assimilazione avviene non tanto con gli interlocutori, ma con Socrate. Quindi sappiamo anche gli studi in merito alla dissimmetria dialogica, no? Quanti, da un punto di vista proprio di numero, quanti interventi fa Socrate rispetto ad interlocutori silenti che vengono sbeffeggiati, eccetera. Quindi volevo capire se questo modello che ci proponi è una peculiarità del Fedone, se per te invece, quindi differentemente da Kahn o ad altre letture, questo modello di assimilazione con l'interlocutore e non immediatamente con Socrate è un modello per leggere tutti i dialoghi. Secondo me è un modello per leggere tutti i dialoghi, ma l'assimilazione non è immediata e assoluta. A mio avviso quel che innanzitutto c'è un'assimilazione interessante nel Fedone, questa cosa è raffinata, perché Echecrate che ascolta il racconto di Fedone prova gli stessi sentimenti che provano coloro che hanno partecipato alla discussione di cui si parla, e il lettore a sua volta è il terzo della lista, come dire, sono tre temporalità che si confrontano e il lettore abita soltanto nella più recente, che tende a configurarsi in modo simile a quella, sul piano della emotività, della partecipazione emotiva. A un certo punto Echecrate irrompe nella discussione, e questo mi sembra un modo, come dire, di presentare di come il lettore e l'ascoltatore, ecco, l'assimilazione è questa tra lettore, ascoltatore e interlocutore, come possano interagire ciascuno nella propria temporalità e abitare un testo, no? Questo mi sembra veramente che solo uno scrittore maestro come Platone potesse realizzare questa cosa qui. Ma c'è moi qui? Ah, le microphone? Je ne veux pas le donner à personne. C'est moi. Une petite question. Merci beaucoup. Il était très intéressant pour moi d'entendre la description non seulement des images données
par Platon, pas la description des scènes complètes et de la dramaturgie. Moi, quant à moi, je voudrais bien ajouter quelque chose. L'une est, j'entends aussi la musique. La musique, peine et plaisir, la douleur et la peine. Chez Socrate, la douleur et la peine, chez les personnes qui l'écoutaient. Et intéressant, et ce qui est intéressant, qu'au commencement, Phédon parle seulement du plaisir. Il se souvient de Socrate seulement avec plaisir. La douleur est disparue. Et l'autre question, si nous parlons de Platon qui a écrit ce dialogue, puis de Socrate qui parlait de ses interlocuteurs, nous devons déjà parler de Écrate, parce que Écrate aussi, était aussi comme nous. Il était il écoutait, mais il écoutait autant de Platon. Et ses réactions aussi étaient très bien intéressantes pour moi, par exemple. Merci beaucoup. Sono d'accordo, non era una domanda, sono d'accordo, grazie. Grazie. Se han repartido unos textos, no sé si todo el mundo va a tener, pero dado que no tenemos tampoco mucho tiempo, no voy a, quien no lo tenga tampoco se preocupe demasiado, porque podemos conseguirlos después. Comienzo. El Fedón es el diálogo más innovador y revolucionario de cuantos escribió Platón. Esto se debe al hecho de que el contenido de este diálogo marca una nítida y consciente separación con el pensamiento anterior, el cual, con el objetivo de distinguirlo del socrático platónico, fue calificado justamente por los historiadores de la filosofía como presocrático. El Fedón, en definitiva, representa una enmienda a la totalidad del pensamiento de los filósofos anteriores, los denominados fisiólogos por Aristóteles, a la vez que supone un giro copernicano en la historia de la filosofía occidental. El pretexto para acometer esta innovadora empresa es el último día de la vida de Sócrates, realzado dramáticamente por el imprevisto retraso de la nave procedente de Delos. La inminente muerte de Sócrates será utilizada como pretexto para exponer su creencia en la inmortalidad del alma ante sus atónitos interlocutores. Este es el escenario que Platón quiso y supo aprovechar para dar a conocer abiertamente algo de lo que hasta ese momento muy pocos habían oído hablar, que el alma es, en verdad, inmortal. En este contexto, resulta muy llamativo que Platón hubiera elegido a tres pitagóricos, Equécrates, Simias y Cieves, como principales protagonistas del diálogo. Pero resulta todavía más llamativo que los tres aduzcan ignorancia sobre aspectos esenciales tratados en el diálogo. En el caso de Equécrates, su desconocimiento de las circunstancias en que se produjo la muerte de Sócrates. En el caso de Simias y Cebes, su confesión de no saber nada acerca de la postulación de la inmortalidad del alma. De hecho, la simple elección de Equécrates de Fliunte como primer interlocutor,
tal como ya ha sido señalado por otros estudiosos, pretendía de entrada enmarcar el diálogo en un contexto pitagórico. Además, la insistencia en la utilización al comienzo del diálogo del verbo acúein no parece casual, sino orientada a destacar también el ambiente de silencio y secretismo que rodeaba al pitagorismo y la importancia que los pitagóricos otorgaban al conocimiento transmitido por medio de acúsmata. Así, el pretexto que origina el diálogo es la curiosidad de Equécrates, que pregunta a Fedón si estuvo presente en la muerte de Sócrates o si lo que sucedió ese día en la prisión lo escuchó de otro. Es el texto 1. El motivo de tal interés es que Equécrates, dado que no llegaron noticias a Fliunte sobre ese acontecimiento, siente el deseo de escuchar directamente de Fedón qué dijo Sócrates en ese momento crucial y cómo fueron las circunstancias que rodearon su muerte. En este preámbulo introductorio, el verbo escuchar se repite en diversas ocasiones, como se puede ver en el texto 2. Si bien es cierto que este interés de Equécrates por conocer los detalles de la muerte de Sócrates podrían explicarse por la estrategia expositiva de Platón, que habría pretendido avivar en los lectores la misma curiosidad que Equécrates, llama la atención que el mismo procedimiento se repita a continuación, inmediatamente a continuación, con los dos principales interlocutores del diálogo, Simias y Cebes. La excusa para justificarlo es, en efecto, el desconcierto que expresa Cebes ante la afirmación que acaba de formular Sócrates de que no es lícito, tome Cemitón, hacerse violencia a sí mismo para cometer suicidio. Es entonces cuando Sócrates, a su vez, pregunta sorprendido a Cebes: ¿cómo, Cebes? ¿No habéis oído tú y Simias hablar de tales temas habiendo estado en compañía de Filolao? Cebes se ve obligado a reconocer que no ha oído nada claro, udengue esa fes. A esta declaración de ignorancia responde de nuevo Sócrates: claro que yo hablo también de oídas sobre estas cosas, etzacoes, pero lo que he oído no tengo ningún reparo en decirlo. La confesión es el texto 3. La confesión de no haber oído nada claro del pitagórico Filolao sobre el asunto del suicidio, a pesar de que Simias y Cebes habrían sido sus discípulos, incrementa la sensación de desconocimiento transmitida anteriormente por Equécrates, circunstancia que, en nuestra opinión, habría tenido la intención de resaltar la dificultad en acceder a las secretas y por ello muy poco divulgadas enseñanzas de los pitagóricos. Por este motivo, resulta sorprendente y paradójico que sean precisamente dos pitagóricos quienes afirmen no saber nada sobre esta cuestión. En esta circunstancia, la respuesta de Sócrates resulta especialmente significativa. A pesar de que reconoció hablar de oídas, etzacoes, no tuvo ningún reparo, zonos udeis, en decir lo que sabía. Una manera muy sutil de sugerir que Sócrates estaba a punto de romper el silencio sobre cuestiones supuestamente relacionadas con el pitagorismo y desvelar algunos de los arcanos secretos de esta escuela. Así pues, Platón, con el objetivo de atraer la atención del lector, forzó la notable paradoja de que Sócrates se disponía a desvelar elementos esenciales de la doctrina órfico-pitagórica, desconocidos incluso para sus dos interlocutores que debieran estar familiarizados con ellos. De hecho, Sócrates, para aclarar la cuestión de si es lícito cometer suicidio, apela a un discurso que se dice en secreto en las iniciaciones, en Aporretois legómenos peri auton logos, de clara procedencia órfico-pitagórica, y que sostiene que los hombres nos encontramos en una prisión, por lo que no podemos escapar de ella. La mención a esas enseñanzas secretas contenidas en un discurso sagrado, en Aporretois, aunque con algunas significativas modificaciones respecto a la versión órfica, pretende intensificar aún más la impresión de que Sócrates estaba abriendo de par en par las puertas de acceso a la desconocida doctrina órfico-pitagórica. En este contexto resulta muy relevante en la estrategia expositiva de Sócrates que justifique la imposibilidad de cometer suicidio, porque esa misma doctrina sostiene que los dioses son los que se cuidan de nosotros y que nosotros, los hombres, somos una posesión de los dioses. A partir de ese momento, Sócrates orienta su argumentación a demostrar que el alma es, en efecto, inmortal y a remarcar la decisiva intervención y supervisión de la divinidad en todo el proceso. Justificaba así la tranquila actitud frente a su muerte inminente al afianzar su esperanza de que tras ella, a su alma,
una vez liberada del ciclo de las reencarnaciones, le aguardaba convivir eternamente con los dioses. Que esta creencia de Sócrates resultaba innovadora a sus oyentes, lo confirma Cebes al manifestar su desconfianza, es el texto 5, y sostener que estas afirmaciones generarían rechazo entre el común de la gente, mucho más proclive a seguir la creencia arcaica de que el alma al morir sale del cuerpo como un aire o humo para disgregarse y no volver a existir nunca más. Para Cebes, creer en la inmortalidad del alma requiere mucha fe, pistis. Ante esta desconfianza, Sócrates apela de nuevo a la existencia de un antiguo relato, un Palaios Logos, en una nueva y velada alusión a la doctrina órfico-pitagórica que alude a la transmigración de las almas. De este modo, se confrontaban dos concepciones del alma radicalmente opuestas. De un lado, la tradicional, popular y mayoritaria. De otro, la desconocida y novedosa, que hasta que Sócrates decidió darla a conocer, circulaba envuelta de silencioso secreto en los cerrados círculos órfico-pitagóricos. De hecho, Sócrates habría sido el primer divulgador de la noción de la inmortalidad del alma en Occidente. Sócrates optó así por defender una concepción del alma alternativa a la más extendida y comúnmente aceptada y respaldada por la religión olímpica. Al actuar de esta manera, introdujo un pensamiento de procedencia religiosa que además puede ser calificado de heterodoxo, con la intención de sustentar y fortalecer sobre él sus novedosas ideas filosóficas. Por este motivo, la actitud de Sócrates, alejada de la creencia imperante y mayoritaria, resultaba muy provocadora, sobre todo al provenir de alguien que precisamente fue condenado a muerte por impiedad a Sébella, tal como sabemos por la apología, bajo la acusación de haber introducido nuevas divinidades. En este contexto resulta muy significativo que Sócrates, justo antes de comenzar a exponer sus ideas, afirme que se disponía a aprovechar la oportunidad que le ofrecían Simias y Cebes para tratar de defenderse y hacer su propia apología ante ellos de manera más persuasiva que ante los jueces que lo habían condenado. Una manera muy sutil de advertir que se reafirmaba en sus revolucionarias creencias y que confiaba que sus interlocutores, dada su formación pitagórica, iban a ser mucho más comprensivos con ellas que quienes le habían juzgado. Que esta era su intención lo confirma el propio Sócrates al recurrir de nuevo a la doctrina órfica para conceder que quienes instituyeron las iniciaciones, tas teletas utoi catastesantes, no eran unos cualquiera, sino que expresaban de antiguo, de manera oscura, que quien llega a la edad impuro y no iniciado, a mietos caiatelestos, yacerá en el fango, pero que quien llegue purificado e iniciado, que cazar menos, te cae, te telesmenos, habitará en compañía de los dioses. Para mostrar su simpatía por estos individuos, de indudable adscripción órfica, Sócrates no duda en reconocer que estos son los que han filosofado correctamente. Hoi pe filosofecotes orzos, es el texto 7. Para que no hubiera ninguna duda de cuál era su intención, Sócrates añade a continuación que no había descuidado en su vida estos preceptos y que él mismo se había esforzado por todos los medios por llegar a ser uno de ellos. Esto está en 69 CD. Para ratificarlo, ante su muerte inminente, Sócrates reconoce que pronto iba a saber con claridad, Safes, si se había esforzado correctamente, orzos, en seguir sus preceptos. A pesar de que pueda intuirse una cierta ironía en estas declaraciones, no es menos cierto que sobre ellas Sócrates construirá su nueva filosofía. Una filosofía que, como se deduce del pasaje que acabamos de comentar, es el resultado de una sutil transformación de nociones de fuerte sabor órfico en la correcta, orzos, filosofía que él, además, declaraba haber seguido también correctamente, nuevamente orzos. De este modo, la repetición del adverbio orzos subraya las líneas maestras de la nueva orientación que Sócrates iba a impulsar en la filosofía y que Sócrates sintió la necesidad de dejar clara en los instantes previos a su muerte. En efecto, en esto consistió la revolución socrática, en postular la noción de inmortalidad del alma, de procedencia órfico-pitagórica, para introducir una nueva concepción de la filosofía que él consideraba genuina, correcta y verdadera, sobre todo a la hora de encarar la muerte con la esperanza de que al alma le aguarda en el más allá un futuro mejor en compañía de los dioses. Así lo expresa con claridad Sócrates en un momento clave de su argumentación, cuando con tozuda insistencia Cebes y Simias vuelven a dudar y plantean por segunda vez la posibilidad de que al morir el alma se disuelve y quede destruida, como piensa la mayoría de gente,
Hoi Polloi Anthropoi, texto 8. Ante esta nueva muestra de desconfianza, Sócrates vuelve a replicar, en el mismo texto 8 lo tenéis, que el alma que ha filosofado correctamente, orzos filosofusa, es la que, libre de la contaminación del cuerpo, después de haber dedicado toda su vida a purificarse de él y a estar concentrada en sí misma, se ejercita toda su vida para encarar la muerte, la famosa melete thanatou. Y otra vez Sócrates, con machacona insistencia, vuelve a vincular este correcto modo de filosofar con lo que se dice en los círculos iniciáticos, nuevamente muy probablemente órficos, hosper de legaita y cataton memiemenon, que creen que las almas puras, alejadas de los males humanos, vivirán felices al pasar de verdad el resto del tiempo en compañía de los dioses. De este modo, Sócrates aclara en qué consistía su dedicación a seguir los preceptos de quienes han filosofado correctamente. Tal insistencia en repetir las mismas ideas al inicio del diálogo, relacionándolas con nociones procedentes de la doctrina órfico-pitagórica e identificarlas con la correcta filosofía, pone de manifiesto que Sócrates estaba procediendo a dar un giro copernicano en el pensamiento filosófico que iba a determinar el posterior desarrollo de la historia de la filosofía. De hecho, Sócrates, antes de desvelar su procedencia mistérica, advierte, lo tenéis en el texto 9, que un hombre que, como él, ha dedicado toda su vida a la verdadera filosofía, tiene la bien fundamentada esperanza de que una vez muera va a obtener los mayores bienes. A continuación añade que esa es la principal preocupación de quienes se dedican correctamente a la filosofía. Hosoi tin hanousin horzos hatomenoi filosofía, y es morir y estar muertos. Esta afirmación merece un comentario inónico de Simias al señalar que, de tanto oír decir estas cosas sobre la muerte, la mayoría de gente cree que los filósofos están en trance de morir, aunque desconocen en qué quiénes son verdaderamente filósofos, hois alezos filósofoi. Este preámbulo tiene la función de dejar bien claro que la melete thanatou es la principal dedicación del filósofo, lo que necesariamente implica la creencia en la inmortalidad del alma, la existencia de un más allá tras la muerte y la necesidad de adoptar una vida filosófica, cuidando el alma al margen de la tiranía del cuerpo. En efecto, Sócrates, en el texto 10, reafirma que quien es en verdad filósofo, alezos filósofos, desprecia el cuerpo, se aparta de él y se vuelve hacia el alma, pros de tensigen tetrazai. Con este giro radical de orientación y perspectiva, con esa expresión volverse hacia el alma, pros de tensigen tetrazai, Sócrates reorientó la mirada y los intereses de la filosofía, inaugurando una nueva época en la historia del pensamiento. Y ese cambio, basado en principios procedentes de unos postulados religiosos desconocidos por la mayoría y por ello calificables de heterodoxos, se convirtió en lo que Sócrates calificó, sin ambages, de verdadera y correcta filosofía, orzos, es decir, en una ortodoxia filosófica. En efecto, una vez fijado cuál es el verdadero objeto de la filosofía, Sócrates abordó la cuestión de cuál debe ser su metodología y el principio epistemológico que debe regirla. Buscar el máximo grado de pureza de pensamiento sin servirse de ninguna visión al reflexionar, ni arrastrando ninguna otra percepción de los sentidos en su razonamiento, sino que usando solo la inteligencia pura por sí misma. Texto 11. Quienes proceden así son calificados como genuinos filósofos, tois nesioi filósofois. Llegado este momento, Sócrates insiste en la necesidad de separarse en vida del cuerpo para alcanzar el conocimiento puro, a la espera de que, al llegar la muerte, la divinidad nos libere. Así pues, Sócrates identifica la correcta filosofía con el ideal de purificación del alma mediante una terminología que evoca de nuevo la órfica, a la que se refiere de nuevo mediante la alusión a un antiguo relato. Texto 12. ¿Acaso no es una purificación lo que desde antiguo Hopper Pala y entólogo Legetai se dice en el relato al separar al máximo el alma del cuerpo y de acostumbrarse ella a recogerse y concentrarse en sí misma fuera del cuerpo y a evitar en lo posible tanto el tiempo presente como el futuro sola en sí misma, liberada en el cuerpo como de unas cadenas? Quienes se esfuerzan en separar el alma del cuerpo y se concentran en ella son, texto 12, sigue siendo el texto 12, los únicos que filosofan correctamente, monoi hoi filosofuntes orzos, pues esta preocupación es la propia de los filósofos, empeñarse en liberar y separar el alma del cuerpo. Esta actitud explica que los que desean verdaderamente el conocimiento no teman la muerte, sino que al contrario, la deseen y la encaren con alegría, pues quien es en verdad filósofo,
el texto 13, Eanto onti filósofos, no deseará otra cosa que su alma. Tras la muerte se dirige al Hades, convencido de que en ningún otro lugar, sino allí, alcanzará de modo puro la sabiduría. De este modo, Sócrates vinculó la correcta filosofía con una actitud ascética de búsqueda del saber por medio de la concentración del alma en sí misma con el objetivo de alcanzar el saber puro, cátharos, en el más allá. De hecho, la actitud ante la muerte mostrará quién es filósofo y quién amigo del cuerpo, de la riqueza y de los honores. Texto 14. Con esta separación radical de intereses, Sócrates transformó el ideal de pureza propio de las doctrinas mistéricas en el objetivo del verdadero filósofo, tal como él mismo expresa al sostener que el purificado e iniciado, que cazar menos te cae te teles menos, es el único que puede conseguir convivir con los dioses y alcanzar en el Hades, una vez separada el alma del cuerpo, el verdadero y puro saber. Para garantizar la veracidad del proceso, Sócrates necesitaba demostrar que el alma es algo sólido y consistente, y no, como por tercera vez repite Sócrates, para realizar su posición, lo que creían Simias y Cebes, que como niños atemorizados creían que el alma, al salir del cuerpo, era disuelta y dispersada por el viento. Por este motivo, para dar consistencia filosófica a la argumentación que partía de presupuestos doctrinales órfico-pitagóricos que exigían fe, pistis en ellos, Sócrates dedicó una gran parte de su discurso a las diversas y prolijas demostraciones de la inmortalidad del alma, que obviamente por motivos de tiempo no se puede analizar ahora. En cualquier caso, en el contexto de la argumentación del Fedón, el objetivo de estas demostraciones era afianzar, mediante la lógica del razonamiento dialéctico, la noción de inmortalidad del alma que había sido originariamente introducida por la doctrina órfico-pitagórica. De este modo, una idea que procedía de un ambiente secreto, minoritario y heterodoxo, acabó divulgándose y transformándose en la verdadera y correcta filosofía, en la ortodoxa piedra angular del platonismo, sobre la que se basan sus fundamentos epistemológicos, éticos y políticos. Que esa era su intención, el propio Sócrates se encarga de confirmarlo de manera tajante en el Fedón al criticar a Anaxágoras por haber postulado como principio un nous mecánico sin ningún tipo de relación con una inteligencia divina que organiza y rija el cosmos. El sentido de esta crítica radical debe enmarcarse en el contexto de la voluntad de imponer la ortodoxia filosófica socrático-platónica sobre el pensamiento anterior. En efecto, insatisfecho por la decepcionante propuesta de Anaxágoras y en general por la de otros filósofos presocráticos, Sócrates lo rechaza por no saber haber postulado que el arjé que gobierna el cosmos tuviera una fuerza divina. Acabo. Ante esta consideración, Sócrates, una vez refutado el principio de Anaxágoras, anuncia ante sus sorprendidos interlocutores que se dispone a explicar la verdadera causa mediante la que, utilizando una metáfora marinera, denomina la segunda navegación. Y llegado a este punto, y encuentro que es un punto clave en la argumentación, tanto Equécrates, es el texto 15, tanto Equécrates, Cebes como Simias asienten y le dicen reconocen a Sócrates que ha sido claro y que los ha convencido y que incluso pueden convencer a personas con escaso entendimiento. Muchas gracias. May I ask a question in English? Yeah. Okay. So there are details which are not entirely clear to me. And you mentioned that in the Phaedo, Socrates or Plato via Socrates divulged some doctrines, made public some doctrines, which had been more or less secret before. So the problem is that we have, as early as Xenophon of Colophon, we have a fragment which testifies to the effect that already Xenophon could make fun of Pythagoras and his doctrines, and he knew about transmigration. And the second problem, which is very difficult to, you know, built into this comprehensive scheme, you gave, is that Plato himself in the Republic says that it was very much in vogue
that there has been a hub of books, and there was this practitioners of Orphic religions. So how do you reconcile those facts? Yes, I have many studies about this question and published, because I think that Plato, the vision that Plato had about the Orphism was different. He didn't like, for example, people who, that people, Agita Camantes in the Republic, misused the Orphicism to convince another people to do bad things. But in Plato himself used the ideas, two of the very important ideas, which came from the Orphicism. And the most important is immortality, the immortality of the soul. That's the question. And he didn't like people that used, he didn't like Orpheus, of the followers of Orpheus. He didn't like. But it's taking always some profit of. I mean, if someone misuses something, it means he knows it. Yeah. Who is misusing? Plato. Yes, yes. Yes, yes, yes. Because I try to demonstrate in my paper that the use that Socrates, Plato made of this doctrine was in the direction to create a new philosophy. That's the question. And for Socrates and Plato, these people were back. And we are building the new philosophy, the correct philosophy, the true philosophy, the orthos philosophy, against these people. Je vais poser la question en français. Je peux? Ou en espagnol? Je pense que je pourrais. En espagnol, si quiere. Non, en français. En français. Vous avez mentionné brièvement la possibilité de la présence de sens de l'humour. Hein. Par exemple, dans le texte 3, quand Socrate dit vous avez eu un professeur qui s'appelle Philolao, non ? Et vous n'avez pas écouté ça. Et alors il dit Ouden sa fesse. Ça veut dire quoi ? C'est un mauvais professeur ou bien peut-être que Simia, c'est un très mauvais élève. Hein, on a aussi dit ça. Alors, j'en viens à ma question. On a un petit peu l'impression dans votre exposé que orthos, il y a une espèce d'usage. On a l'impression que Socrate triche. Donc, qu'il passe d'un certain sens d'orthos, où il se fout de la gueule des gens d'avant, enfin, il se moque peut-être. Et il vient un autre sens d'orthos, non ? En disant, oui, c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est pas la même chose. Mais c'est orthos. Hay una falacia ahí, o qué ? Es una trampa, o qué ? ¿Y qué pasa con el sentido del humor ? No, lo hay. Yo creo que hay ironía, la hay, yo la veo así, y que hay un doble juego. Pero esto es muy típico en Platón, lo hace muchas veces, hay un doble juego. Y ahí está donde este orthos, por un lado, yo al principio debo reconocer que creía que era todo un... él se moque, ¿eh? Que todo, él se ríe, él es irónico, absolutamente irónico. Pero luego cuando empecé a observar este uso abusivo del adverbio orthos al comienzo del Fedón, empecé a ver que quizá cierta... tras una cierta ironía y un distanciamiento, que es lo que he querido decir en la respuesta anterior, luego hay un intento de una nueva construcción y que este orthos acaba teniendo ya un sentido más fuerte. Sí, sí. Pero es que sentido del humor en Sócrates y en Platón hay siempre.
No, but...